puisque de nos jours, on parle de l'émancipation de la femme. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un rien. Il n'existe plus un métier qu'on peut qualifier pour un homme et un métier qu'on peut dire pour une femme. Voilà. Je pense qu'ils peuvent exercer le même métier qu'un homme parce que la femme est aussi intelligente que l'homme aussi. Il n'y a pas assez de différence. Bon, moi, je suis ingénieure en télécom, réseau télécom. C'est un métier qui est souvent réservé aux hommes, mais moi, je le fais quand même. Oui, c'est possible. C'est possible que la femme puisse exercer le même métier que l'homme. Mais il s'agit là des métiers qui sont simples, des métiers qui ne demandent pas des risques, parce que la femme, c'est un être sophistiqué. Oui, oui. Si elle y tient vraiment et si elle est décisive dans ce qu'elle veut, elle veut. On dit toujours ce que Dieu veut, la femme veut. Je pense que ça dépend. Parce qu'il y a des métiers quand même qui sont assez dangereux, tels que l'abattage, ou bien des métiers qui nécessitent une énorme force physique que la femme notamment ne peut pas avoir. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas confirmer de manière entière qu'une femme peut exercer entièrement les métiers que fait un homme. Je pense que oui. Parce que je pense qu'on est doté d'une même capacité que les hommes. On est d'abord plus fort moralement qu'eux. Et donc, je pense pas, bon, physiquement, ouais, il y a quelques défaillances, mais je pense qu'on peut exercer les mêmes métiers que les hommes. Déjà, je peux prendre l'exemple au niveau de l'enseignement. Un homme peut être professeur et une femme professeur. Ils peuvent exercer la même matière. Exemple, on a des professeurs hommes qui sont en biologie, on a des professeurs femmes qui sont aussi en biologie. Donc, je pense qu'ils peuvent exercer le même métier. C'est vrai qu'en ce moment, on trouve un peu les femmes un peu partout, hein. Même dans la cuisine, par exemple. Donc, il y a des chefs cuisiniers. J'ai vu une dame en France qui est chef cuisinier. Donc, on tourne un peu partout les femmes. Je peux dire à un certain moment oui, à un certain moment non, parce que ça dépend du métier. Hein. Parce qu'il y a des métiers qui méritent du physique. Tu vois que la femme n'a pas le même physique que l'homme. Bon, maintenant, si ce sont des métiers administratifs, il n'y a pas de problème. La femme peut exercer le même métier que l'homme. Et si je prends un peu le cas de l'éducation, oui. La femme peut devenir professeur comme un homme aussi, mais en fonction des secteurs, je pense que la femme peut exercer les mêmes activités qu'un homme. Je réitère surtout sur le fait des secteurs d'activité. Voilà. Maintenant, si on prend un peu les secteurs de pointe comme la mécanique et autres, je pense que la femme, à un moment donné, va se retrouver avec des obstacles. Oui, la femme peut bel et bien exercer le même métier que les hommes.